Le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, Antanase Kabongo-Kalala Malebongo, a regagné la ville de Mbujimayi le lundi 28 mars 2022. Le président de l'organe délibérant du Kasaï oriental vient de Kinshasa, où il était prendre part au séminaire d'information et d'appropriation du programme local de développement à la base de 145 territoires. Il revient ici sur l'essentiel de sa mission dans la capitale congolaise Kinshasa. Lorsque le chef de l'État était venu ici, il a dit 2022, c'est-à-dire il y aura la réalisation de tout ce qu'il avait déjà dit. La population doit retenir que tout ce que le chef de l'État avait promis, surtout pour le développement, part de la base. Ça a commencé. Alors nous étions invités pour être formés sur ce programme, pour que nous puissions nous approprier ce programme et revenir vulgariser, afin qu'au moment venu, nous puissions bien contrôler. Parce qu'on ne peut pas contrôler quelque chose que vous ne connaissez pas et quelque chose que vous n'avez pas vraiment de contrôle. C'est ainsi que nous étions partis prendre à la source tout ce que nous pouvons venir donner à la base. Étant électeur des gouverneurs de province, l'honorable Malebongo fixe ici l'opinion. Nous, de l'Union pour la démocratie et le progrès social de l'UDPS, nous avons été reçus en scellé par le secrétaire général Augustin Kabuya à Chulunga. Alors, il nous a donné les instructions comme UDPS, le Kasaï oriental et de l'UDPS et comment nous devons nous comporter. Il a dit au moment venu, vous saurez qui est le candidat de l'UDPS et le candidat de l'Union sacrée. L'élu de Kabeya Kamwanga appelle la population du Kasaï oriental au calme et condamne avec dernière énergie les actes odieux commis au siège du MLC Kasaï oriental, car le MLC est un parti politique membre de l'Union sacrée de la nation. Je demande à la population d'être calme, d'être en paix, d'être tolérant, parce qu'il y a certaines choses que nous avons suivies pour la permanence du MLC. Ce n'est pas bien. Le Kasaï oriental, nous sommes une province qui doit montrer la démocratie. Alors, il y a même des visites à gauche, à droite déjà, mais nous, nous sommes UDPS. Nous sommes là pour soutenir le chef de l'État, que la population soit apaisée, et que la population soutienne le chef de l'État que nous avons, Antoine Félix Tshisekedi de Tshilombo. Alors, c'est ça ce que je peux demander, le calme et la paix à la population de Kasaï oriental, parce que nous devons abattre. Toutefois, la session de mars s'ouvre ce mercredi 30 mars 2022 à l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental.